Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences qui ont lieu ces mardis toutes les semaines et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de l'espace des sciences dès le lendemain ou le surlendemain. Voilà, ça reste dans la collection des mardis de l'espace des sciences. Et merci d'être venu pour cette conférence qui nous a été proposée par le professeur Tadevin. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'intervenir sur ce thème auquel j'aurais pas absolument pensé toute seule, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur l'éthique, leur écologie et leur impact en santé. Alors merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Solène Patradelon, vous êtes originaire de l'Est de la France. J'aime bien savoir d'où les gens viennent comme ça. Vous avez fait vos études de médecine à Reims ? Oui, bonsoir, tout à fait. Lors d'un séjour, alors je ne sais pas si c'est lors d'un séjour au Sénégal dans le cadre d'un échange scolaire, je crois, que vous avez d'abord éprouvé un vrai coup de cœur pour ce continent. Hein, oui, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un professeur en troisième qui nous a emmené faire un échange scolaire. Donc, des enfants sénégalais étaient venus chez nous pendant 15 jours et on était allés 15 jours au Sénégal, au village, et on a découvert le pays. Voilà, alors vous avez donc eu un coup de cœur pour ce pays du continent africain où vous allez retourner après avoir fait le choix de cette spécialisation en maladies infectieuses et tropicales. Un stage au Burkina Faso, je crois. Oui, effectivement, en cinquième année de médecine. Voilà, et puis le Burundi. Et oui, dans le cadre de la coopération internationale, on va au Burundi avec le service de maladies infectieuses. Alors évidemment, dans ces pays d'Afrique, les maladies infectieuses sont assez répandues. Je pense que c'est un terrain de travail important, et puis aussi pour aider les populations, je suppose. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette spécialité, spécialisation ? En maladies infectieuses ou par rapport à la maladie de Lyme ? Maladies infectieuses. D'abord. D'abord, la maladie infectieuse. C'est une question difficile. C'est une spécialité où on mène un peu l'enquête par rapport à les patients ont des symptômes. On cherche l'agent pathogène qui leur donne et on donne un traitement ciblé. On a la chance d'avoir un arsenal thérapeutique assez satisfaisant et ça me passionne. Alors, pour votre internat, vous allez choisir la ville de Rennes ? Oui, tout à fait. J'ai fait mon externat à Reims et à la fin de l'externat, on passe le concours de l'internat et on a la possibilité de changer de ville en fonction de son classement. Et du coup, j'ai choisi Rennes parce que la réputation du service de maladies infectieuses était bonne. Alors, à l'époque, j'hésitais entre neurologie et infectiologie. Et puis, j'avais envie de rester dans la moitié nord de la France et de me rapprocher aussi d'une belle région. J'ai bien compris, quand je vous ai interviewé, que pour quelqu'un qui n'est pas très attiré forcément par les grandes chaleurs et qui aime la mer, la Bretagne, c'était pas mal. Oui, effectivement. Hein, c'est un peu ça. Alors, vous travaillez à Rennes depuis 4 ans, vous exercez votre métier d'infectiologue dans le service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Rennes. Vous êtes la coordinatrice ou coordonnatrice du Centre de référence des maladies liées aux tiques pour le Grand Ouest. Vous travaillez donc avec le professeur Tadevin qui nous a proposé cette conférence pour informer le plus grand nombre. Et vous allez tout à l'heure nous décrire cette maladie de Lyme, les signes, etc., etc. On va découvrir ça tout à l'heure. Et puis Soria Bélaz, oui. Bélaz. Alors vous avez quitté la région parisienne, où vous avez vécu, où vous avez fait vos études aussi. Oui, tout à fait. J'ai fait la partie externa donc en région parisienne. Et après, je suis partie en province. Alors d'abord à Poitiers. À Poitiers. Vous parlez bien parce que vous avez des petites voix toutes douces, toutes les deux. Donc vous parlez bien dans le micro. Donc internat à Poitiers. Et puis, je ne sais pas, vous êtes devenue parasitologue. Je me demandais, parce que vous m'avez raconté qu'au début, vous aviez un peu envie de devenir vétérinaire.
Oui, tout à fait. Au départ, avant de commencer médecine, c'était ma filière de choix. Et puis, ça n'a pas marché parce que ça, c'est par concours vétérinaire. Et dans les études médicales, j'ai eu un prof de parasitologie qui était vraiment très intéressant, qui nous a beaucoup parlé des cycles dans lesquels il y a souvent l'implication des animaux. Et ça m'a intéressée, ça m'a donné envie de m'intéresser à cette discipline. Quand on parle de cycle, ça veut dire quoi ? Bah, au niveau du fonctionnement de plein de parasites, il y a un cycle qui se fait avec différentes étapes de vie, d'accord, avec différents animaux, dont l'homme. C'est qui ce que vous allez nous expliquer d'ailleurs. Exactement. Hein. Et vous allez faire un petit passage en Guyane, vous ? Oui, tout à fait. Pendant l'internat, donc, j'ai fait un semestre d'études en Guyane, qui est vraiment le rêve pour la parasitologie. Il y a vraiment, vraiment un grand panel de maladies. Pour la parasitologue, peut-être pas pour les patients. Probablement. Hein, et puis, bah, vous êtes arrivé ensuite à Rennes depuis déjà 2012, ça fait 10 ans, je crois, pour rejoindre le service de mycologie et parasitologie au CHU de Rennes. Voilà. Alors, c'est vous qui allez nous présenter plus précisément ces petites bestioles. Tout à fait. Sympathiques. Je crois qu'il... Alors, je vous disais tout à l'heure, il en existe des centaines d'espèces. Vous m'avez cloué. Plutôt 900 espèces. Dans le monde. C'est ça. Et en France ? Et en France, il y en a une bonne quarantaine. Bon, bah, je ne vais pas vous questionner davantage parce que je crois que vous allez nous dire tout ça dans votre présentation. Donc, elles vont présenter chacune leur partie l'une après l'autre. Et puis, bien sûr, après, on vous donne la parole. Si vous avez envie de poser des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. On est là pour ça, pour s'informer le plus possible. Je suis sûre qu'on va passer une excellente soirée. Voilà. Alors, c'est Soria qui s'y colle la première et qui va donc se mettre derrière son pupitre. Et nous allons rejoindre la salle et nous reviendrons. Alors, je voulais vous dire aussi qu'à la fin de la conférence, si vous avez envie, il y a des petits dépliants que l'on peut vous donner sur les maladies vectorielles, les connaître pour se protéger, les conseils de prudence, la tactique antitique, et puis voilà, du petit, on vous donnera tout ça si vous en avez envie. Allez, on vous laisse. Nous, on va s'asseoir dans la salle. Merci. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous, même à cette heure-ci. On va donc vous présenter aujourd'hui l'éthique, leur écologie tout d'abord, et puis leur impact en santé. Le déroulement de la soirée va commencer donc par la partie qui concerne l'éthique, leur classification dans le règne animal, leur répartition géographique, leur biologie et leur façon de vivre, la prévention pour éviter d'avoir des tiques ou les enlever quand on en a eu, le risque en santé vétérinaire, et puis ensuite on va passer au risque en santé humaine, aux différentes conclusions, et puis le temps de vos questions arrivera. Au niveau de la classification, les tiques font partie d'un grand embranchement qu'on appelle les arthropodes. Donc dans cet embranchement, on a les arachnides, dans lequel on a vite en tête les araignées. On a les insectes, dans lequel on a un panel d'animaux qui sont très variables, du papillon au moustique à la puce. Et puis dans cet embranchement, on a aussi les crustacés. Et puis il y a également d'autres classes dans cet embranchement qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Si on recherche nos tiques à l'intérieur de cet embranchement, on les retrouve dans la classe des arachnides, plus précisément dans la sous-classe des acariens. Et donc là, les acariens, c'est quand même quelque chose qui nous parle. On parle souvent des gens qui sont allergiques aux acariens, qui sont des toutes petites bêtes que l'on peut retrouver dans notre lit. Eh bien, dans cette classe, on a deux grandes familles qui regroupent les tiques. C'est la famille des Ixodidés, dans lesquelles il y a 700 espèces de tiques dures, et puis la famille des Argacidés, dans lesquelles on retrouve 200 espèces de tiques molles. Au niveau des arthropodes, on a, bah, comme on le voit pour les crustacés avec le crabe, et en fait c'est vrai pour tous les arthropodes, en fait on a une cuticule qui est importante et qui est à l'extérieur de l'animal, c'est ce qu'on appelle l'exosquelette, et donc chez nos tiques dures, la cuticule est très bien sclérifiée, et donc la tique est vraiment dure, alors que chez les tiques molles, cette cuticule est moins sclérifiée, et donc c'est d'où cette différenciation. Une fois qu'on a nos deux sous-familles, enfin nos deux grandes familles, dedans, il va y avoir de nombreux genres de tiques, donc Ixodes, Rhipicéphalus, Dermacinthor, Hemaphysalis et Hyaloma. Ce sont des exemples de genres de tiques
qui existe parmi les tiques dures. Et on voit ici, j'ai donné l'exemple d'Ixodes, puisque c'est celle qui est en général la plus connue. Il y a Ixodes ricinus, mais il y a 243 espèces d'Ixodes en tout. Donc en fait, il y a plein d'autres espèces. Et puis, plusieurs espèces, en fait, dans chacun de ces genres. Voilà pour les différentes grandes familles de tiques qui existent, et donc les différents genres. Quelle est leur répartition géographique ? Donc, tout d'abord, au niveau de la répartition mondiale, si on prend ici uniquement une répartition mondiale des principaux genres de tiques dures, donc on n'est même pas mis les tiques molles, et déjà, on voit qu'il y en a vraiment partout, à part dans les zones où il fait vraiment, vraiment très, très froid, on retrouve des tiques vraiment partout. Si on recentre un peu notre information sur ce qui va se passer en Europe, et un petit point d'abord sur Ixodes, souvent c'est celle qui est la plus connue, et on voit ici qu'en fait il y a plusieurs espèces d'Ixodes différentes, et que celle qui est majoritaire chez nous c'est donc Ixodes ricinus, et donc pour l'Europe, on voit ici cette carte qui est proposée par l'ECDC, c'est la société de, c'est un espèce d'ensemble de surveillance des maladies infectieuses du côté européen, et donc ces cartes qui sont proposées sur le site de l'ECDC nous montrent que Ixodes ricinus est vraiment présente partout en Europe, dans de très nombreux pays et quasiment partout en France. Si on prend deux autres genres de tiques auxquels on va s'intéresser ce soir pour vous donner une idée de leur répartition, eh bien on voit que selon les espèces, dans le genre Rhipicephalus, j'ai pris ici la carte pour exemple de Rhipicephalus sanguineus, c'est une tique qui est présente surtout dans le sud de l'Europe, donc on commence à se dire eh ben, peut-être bien que celle-ci, elle préfère les zones chaudes, alors que celle-ci, elle tolère mieux le froid, puisqu'on voit qu'elle vient plus au nord. Et ici, une troisième espèce dont on va encore parler ce soir, qui est Dermacinthor. J'ai pris l'exemple d'une des deux espèces de Dermacinthor qui est très présente en France. Et cette espèce-là, on voit bien qu'elle est plutôt moins tolérante au chaud, puisqu'on voit moins la trouver en Espagne ou en Italie, et qu'il y en a un petit peu partout en France. Au niveau du mode de vie de la tique, comment se décrit le corps de la tique, et avec cette description, ça va nous aider ensuite à comprendre son cycle, effectivement, dont on va pouvoir reparler. Donc la tique, elle existe sous plusieurs stases, et la stase adulte, c'est celle chez laquelle on reconnaît toutes les caractéristiques qui fait que la tique fait partie des acariens. C'est une stase dans laquelle on a un gros corps, céphalo-thoraco-abdominal, et un antérieur sur lequel on retrouve le rostre, qui est présenté ici. Le dessus du corps, il présente ce qu'on appelle un scutum, c'est cet écusson dorsal que l'on voit ici sur la femelle. Et en fait, sur la femelle, on a toute une partie qui est molle en dessous et qui permet que la partie abdominale se déploie au moment du repas sanguin. Chez le mâle, on voit que cette partie qui est sclérisée et dure, elle prend quasiment tout le corps, et donc il n'y a pas de repas sanguin chez le mâle, puisque cette partie-là ne va pas pouvoir se développer. On voit, quand on regarde la face ventrale, que ça fait bien partie des acariens avec quatre paires de pattes, ça c'est un point important. Et au niveau des pièces buccales, on a deux pédipalpes et au milieu, le rostre qui contient un hypostome et puis deux petites chélicères, c'est les deux petites structures que l'on voit ici. Quand on s'intéresse aux différentes espèces de tiques, ici j'ai repris les images Ixodes, Rhipicephalus et Dermacinthor, pour pouvoir faire le diagnostic d'espèces et faire la différence d'une tique par rapport à une autre, eh bien, on a comme principale différence que les Ixodes font partie d'une famille de tiques qui ont un rostre long, alors que Rhipicephalus ou Dermacinthor ont un rostre court, et donc quand on les observe, on voit que le rostre est plus court. De la même façon, au niveau de la marge anale ici, on va avoir un dessin de la sclérisation du corps à la face ventrale qui est dans le sens inverse, par exemple, entre Dermacinthor et Rhipicephalus, c'est comme sur cette image en bleu, alors que pour Ixodes, c'est dans l'autre sens. Et donc, ce sont ce genre de caractéristiques qui nous permettent au laboratoire de faire le diagnostic de l'espèce de tique si on nous l'amène. Au niveau des différentes stases, on va en reparler sur le cycle, mais c'est en plus petit, donc j'ai préféré vous les présenter ici. On voit ici une larve, une nymphe, puis les adultes, avec le mâle et la femelle qui sont avec des sexes séparés. Chez la nymphe, on a bien quatre paires de pattes, comme on l'a vu dans la description du corps de l'adulte, alors que chez la larve, c'est en plus petit, mais en fait, la larve n'a que trois paires de pattes, puisque les acariens, c'est la description du corps de l'adulte qui a les quatre paires de pattes et qui classe dans la famille des acariens.
Comment va se produire le cycle ? Donc là, j'ai commencé par vous décrire le cycle d'Ixodès, puisque c'est celle qui est la plus présente et la plus connue en général. C'est un cycle qui est exophile à tous les stades, c'est-à-dire qu'après l'éclosion, la larve elle va pouvoir sortir de son milieu prioritaire, qui va être principalement les sous-bois, pour aller sur des hôtes. Et là, la variété d'hôtes est énorme. La larve peut se nourrir jusqu'à 300 espèces d'hôtes différents, mais chaque larve ne va avoir qu'un seul repas sanguin. Et donc, on voit bien ici que les tiques sont des animaux hématophages. Cette grande diversité d'hôtes chez la larve et chez la nymphe implique parfois la piqûre de façon accidentelle d'un homme quand il vient à proximité des zones de chasse à l'affût des tiques, mais puisque les tiques vont en fait aller vers leurs hôtes en se mettant à l'affût sur des herbes pour pouvoir détecter la chaleur ou le CO2 expiré d'un hôte et aller à la rencontre de l'hôte. Entre chaque repas sanguin, il y a un temps dans le milieu extérieur qui permet une métamorphose pour passer à la stase suivante. Mais il n'y a qu'un seul repas sanguin à chaque stase. Après, la métamorphose de la nymphe va donc aboutir à l'arrivée de femelles adultes et de mâles adultes qui vont pouvoir réaliser la fécondation. La femelle a besoin d'un repas sanguin après la fécondation pour pouvoir assurer la ponte. Et ensuite, après la ponte, la femelle meurt. Et souvent, après la fécondation, le mâle meurt. Une ou deux fécondations parfois. Et ensuite, souvent, le mâle meurt. De façon accidentelle, encore une fois, on voit qu'il peut y avoir la piqûre d'un homme. Toutes les phases de métamorphose et les phases de vie entre chaque hôte font que même si le repas sanguin ne dure que quelques jours, on voit ici quelques jours pour chaque stase, la durée du cycle total peut aller jusqu'à plusieurs années. Donc il y a un temps de vie en dehors des hôtes. Si on prend maintenant l'exemple de Rhipicéphalus, c'est une tique qui est souvent appelée la tique des chenilles, qui est très inféodée aux chiens. Et donc là, on voit que son hôte prioritaire, au stade larvaire, nymphe ou adulte, c'est quasiment toujours le chien, avec trois hôtes différents. Donc là, j'ai représenté trois races de chiens, mais c'est juste pour montrer qu'en fait, ça change de chien entre chaque, mais ça reste quand même à chaque fois un temps de vie en dehors de l'hôte, entre chaque stase. Et de façon accidentelle, en étant à proximité du chien et au contact du chien, on peut être piqué par cette tique. La dernière tique dont on va parler ce soir, c'est Dermacinthor en particulier. Et donc, Dermacinthor, c'est une tique qui va avoir la particularité d'être très endophile et donc de rester dans les sous-bois pour les deux premiers stades, que ce soit la larve ou la nymphe. Dermacinthor va préférer rester dans les sous-bois et donc va piquer prioritairement des petits mammifères qui viennent jusque dans les sous-bois pour être au contact avec l'endroit où se trouvent ces arthropodes. Ensuite, à la stase adulte, Dermacinthor va privilégier la piqûre de grands mammifères. Et donc là, de façon accidentelle, elle va aller plus vers des prairies qui sont parfois des endroits où nous pouvons nous balader. Et donc, de façon accidentelle, elle va pouvoir toucher l'homme. Au niveau du biotope et des endroits où ces tiques aiment vivre, on va avoir des biotopes qui sont très différents d'une espèce à l'autre. Donc là, je vous présente des exemples spécifiques de quelques tiques pour vous montrer un peu la variabilité possible de biotopes dans lesquels on peut trouver des tiques. Donc, Ixodes ricinus, elle va avoir comme type de biotope plutôt des zones sylvicoles. On va avoir normalement, en Europe, il est décrit comme étant deux pics où on a plus d'Ixodes au moment du printemps, puis un deuxième pic au moment de l'automne. Elle va être largement répartie dans des zones tempérées parce qu'elle a besoin pour se développer, en particulier les nymphes et les larves ne supportent pas une hygrométrie inférieure à 75%. Donc tout le sud de la France, les sécheresses vont tuer les stades jeunes. Elle est capable d'être moins active pendant l'été et de rester dans les sous-bois, mais elle est aussi capable de faire une pause pendant l'hiver, un peu comme une sorte d'hibernation quand la température est trop faible. Et donc, c'est pour ça que son cycle peut durer plusieurs années. Si on prend maintenant l'exemple de Dermacinthor, il y en a deux espèces qui existent en France. Et on va avoir une espèce qui est très thermotolérante et qui est l'espèce qu'on va retrouver majoritairement dans le bassin méditerranéen parce qu'elle est capable de survivre à la sécheresse. Elle préfère vivre dans les prairies que dans les sous-bois. Et elle va avoir un moment de piqûre qui inclut aussi l'hiver. Donc c'est pour ça que parfois on dit à cause d'Ixodes qu'il n'y a pas de tiques en hiver, mais en fait ce n'est pas les mêmes, mais il peut y en avoir aussi en hiver.
Donc de janvier à mai, un premier pic, puis de septembre à octobre. Et puis pour Derbacinthor reticulatus, qui est plus présente au nord de la France parce qu'elle est moins tolérante à la sécheresse, on va avoir une possibilité de piqûre qui s'étale entre octobre et juillet. Donc c'est assez large et ça inclut les mois d'hiver. Alors que notre hippicéphalus tique du chenil, on va la retrouver avec la possibilité de chasser à l'affût sur les herbes, comme on le voit pour Dermacinthor ou comme on le voit pour Ixinus, mais aussi la capacité de vivre sur les tapis dans les maisons ou les tapis des chiens dans les chenils. Et donc au contact avec le chien, parce qu'en fait elle est toujours accrochée avec son hôte, donc elle a toujours besoin d'être à proximité de son hôte privilégié, eh bien elle va pouvoir s'installer dans ce qui lui paraît confortable, c'est-à-dire des petits recoins du chenil qui ne sont pas bien fermés, des fissures dans les murs, des choses comme ça, des tapis, ou s'il y a accès à un jardin dans le chenil, bah, elle va quand même préférer être dans les herbes. Seulement, ce n'est pas si précis que ça, puisque On a une étude de Santé publique France qui a été réalisée entre 2016 et 2019 par Alexandra Sepfon, qui a pu montrer que pour les piqûres par Ixodes ricinus en particulier, on avait quand même 52% des gens interrogés dans le baromètre de santé qui montraient une piqûre qui était survenue en forêt, puis 22% une piqûre qui est survenue en prairie ou bordure de forêt, mais aussi 16% des gens pour lesquels la piqûre est survenue dans leur jardin puisqu'ils n'avaient pas été du tout en forêt. Donc, ce n'est pas si précis que ça. Et de la même façon, quand on étudie la répartition de la densité des nymphes de tique Ixodes ricinus entre l'Alsace et la Bretagne pour l'année 2018, par exemple, mais c'est des données qu'on voit à peu près similaires chaque année, on n'a pas un pic si marqué que ça à l'automne. On a plutôt un espèce d'assez grand pic qui recouvre le printemps, mais aussi le début de l'été. En ce qui concerne les facteurs qui pourront ensuite favoriser l'augmentation du nombre de tiques, on a plusieurs études qui se sont intéressées à ce genre de facteurs. Une première étude, c'est qu'est-ce qui peut favoriser l'augmentation de la population de tiques dans l'environnement. Et il y a cette étude ici, qui présente ces deux premiers graphiques, qui montre que quand on augmente, par exemple, la quantité de chênes dans un environnement, on augmente la quantité de glands et on se rend compte que le volume de glands au sol et en relation directe avec la densité de nymphes. Si on complète ce schéma par ce deuxième schéma, plus précisément, on se rend compte que l'augmentation de la quantité des glands a été aussi accompagnée d'une augmentation de la quantité des micromammifères. Et comme les tiques se nourrissent sur les micromammifères, si les micromammifères pullulent, de la même façon, les tiques peuvent être plus importantes. À côté de ces espèces d'arbres plantés qui peuvent moduler la quantité de tiques, on a aussi effectivement, bah, tout bêtement, le fait de planter des arbres, donc de reforester ou d'afforester des endroits qui n'étaient pas du tout avec une plantation d'arbres, mais aussi le fait que les forêts soient très très bien entretenues, avec des chemins bien délimités, etc., ou qu'elles soient laissées un peu plus à l'état sauvage, et donc plus effectivement on a de forêts laissées à l'état sauvage, avec beaucoup de ronces, de choses comme ça, encore une fois, meilleur est le terrain pour les micro-mammifères qui peuvent se cacher et avoir leur terrier, et donc meilleur est le terrain pour les tiques. On a aussi quelques exemples d'introduction ou de réintroduction de micro-mammifères, et on a eu une publication dans la forêt de Sénart, dans laquelle des tamias de Sibérie ont été relibérés par des familles parce qu'ils avaient pris cet animal, mais qui en fait n'est pas très sympathique. Et donc, les tamias de Sibérie ont été libérés dans la forêt, et on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de la quantité de tiques, puisqu'il y avait un micro-mammifère qui était favorable à leur présence, qui a été introduit de façon accidentelle. Pour les grands mammifères, puisqu'on a vu que les grands mammifères étaient présents dans le cycle, en particulier d'Ixodes ricinus, même chez les larves, et puis dans d'autres tiques, c'est très important, surtout pour les adultes, et bien l'augmentation des populations de grands mammifères aussi peut être peut avoir pour conséquence une augmentation de la quantité de tiques. Donc ces grands mammifères, ils peuvent être réintroduits dans des endroits où ils manquent, mais aussi leur population peut augmenter du fait des quotas de chasse. Et si on prend les chiffres de l'ONF, on se rend compte que l'ONF montrait une quantité, par exemple, de chevreuils qui était inférieure à 100 000 en France en 1973 et qu'on est supérieur à 600 000 en 2012. Donc, on voit bien que cette population de grands mammifères a augmenté. Il y a aussi la disparition des prédateurs qui peut intervenir, et puis l'abondance de l'alimentation, puisque ces grands mammifères aussi vont pouvoir se nourrir grâce aux arbres fruitiers ou grâce aux chênes. Et donc, le type d'arbres qui sont dans les forêts peut modifier cette population.
Au niveau du réchauffement climatique, c'est une grande question qu'on se pose par rapport aux tiques, puisqu'on a vu qu'il y avait des espèces de tiques qui avaient besoin d'avoir une certaine chaleur pour vivre et qu'elles ne vivent pas très bien l'hiver. Eh bien, on va avoir plusieurs publications qui vont s'intéresser à ce problème. Ici, une publication de 2011 qui s'intéresse à une tique qui auparavant était vraiment présentée il y a quelques dizaines d'années comme une tique principalement africaine et pour laquelle on commence à avoir la présence de la tique dans le sud de l'Espagne. En fait, on voit sur cette carte une carte de prédiction des endroits où la tique pourra s'installer. Et effectivement, maintenant, si on regarde la carte de l'ECDC pour cette espèce de tique, au niveau de l'Espagne, c'est une tique qui a commencé à s'installer. Et donc, dans le sud de l'Europe, c'est une tique qui a commencé à s'installer. Donc, le fait d'avoir un réchauffement climatique a un impact. Par ailleurs, pour Ixodes ricinus, il y a plusieurs études qui ont pu montrer que les altitudes maximales dans lesquelles Ixodes était installé en France sont des altitudes qui sont toutes les ans dépassées, puisque le réchauffement climatique, ça touche aussi la montagne. Et en fait, ce n'est pas l'intolérance à l'altitude qui faisait qu'elle ne pouvait pas monter plus haut, c'est qu'il faisait trop froid pour elle. Maintenant, la température est meilleure. Et donc, les altitudes à laquelle on peut la trouver sont en train d'augmenter, de même que les latitudes, puisqu'on la voit de plus en plus en Europe du Nord. Un grand point qui nous intéresse avec cette tique, c'est comment ça se passe la piqûre. On ne dit pas morsure, on dit piqûre. La piqûre, je présente ici l'exemple de la piqûre par les tiques dures. La piqûre par les tiques dures est une piqûre qui est assez lente. Il y a tout un processus qui se met en place et qui est indolore. Et en particulier, il y a les deux chélicères et les pédipalpes qui vont intervenir pour ouvrir la peau, pour perforer la peau, et donc c'est une première étape qui va avoir lieu, et ça va former un micro-hématome au niveau de la piqûre, ça peut être assez important, et ça peut se voir. Mais la salive va intervenir également avec des propriétés anesthésiantes qui font que la piqûre est indolore, et ça c'est important puisqu'on l'a vu dans le cycle, le repas sanguin il dure entre 2 jours et 10 jours selon le stade, et donc pour la tique c'est très important de pouvoir rester sur notre jambe. Et là, on va avoir l'action locale par anesthésie, une action possible anti-inflammatoire, une possibilité d'avoir une action anticoagulante pour permettre le repas sanguin, et puis quelque chose qui peut être très intéressant et qui pourra être récupéré pour essayer de produire des vaccins, il peut y avoir une espèce de réaction allergique ou immunitaire contre la salive de la piqûre. Donc, chez certaines personnes, on a pu remarquer que lors des premières piqûres, il n'y a vraiment aucune sensation. Et à force d'être beaucoup piqué, donc en particulier certains personnels de forêt, des chasseurs ou des gens comme ça qui sont beaucoup dans des zones à risque, signalent qu'au bout d'un moment, ils commencent à se gratter quand ils sont piqués. Donc, ils réagissent et ils vont pouvoir retirer les tiques plus vite. De la même façon, cette réaction allergique entraîne une durée de gorgement qui peut être raccourcie puisque la tique n'arrive plus à être bien et donc elle va se décrocher avant d'avoir terminé son temps de gorgement nécessaire. Au moment de cette piqûre va arriver ce qui inquiète en général les gens, puisque la piqûre de tique en soi est assez peu problématique, mais c'est à ce moment-là que vont pouvoir se développer les capacités vectorielles de la tique. Les capacités vectorielles de la tique vont intervenir pour certains micro-organismes dès les premières minutes, puisque pour les virus, par exemple, les virus sont déjà présents dans les glandes salivaires, et en fait, le passage d'un virus va pouvoir se faire dès les premières minutes après la piqûre. Pour les bactéries, il faut plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, avant que le passage de la bactérie se fasse. Et ça va faire intervenir plusieurs points. Pour Borrelia burgdorferi, la transmission est optimale entre 1 et 3 jours, parfois une demi-journée. Et en fait, plusieurs études ont pu montrer que la bactérie, elle n'est pas présente dans les glandes salivaires, mais plutôt dans l'intestin, et qu'en plus, les antigènes qui la recouvrent, donc un peu comme si c'était son vêtement n'est pas adapté à nous infecter. Il faut qu'elle fasse son chemin entre l'intestin et la glande salivaire en changeant de vêtement au passage pour arriver de façon infectieuse au niveau des glandes salivaires et pour pouvoir être transmise à l'homme pendant la piqûre ou à d'autres hôtes. D'autres bactéries vont avoir des mécanismes de transmission qui seront plus courts, comme par exemple Rickettsie. Pour les parasites, il faut également quelques jours en général, puisque les parasites, même s'ils sont présents, eux, dans les glandes salivaires, ils ont aussi besoin de changer complètement leur forme pour devenir une forme infectieuse. Et donc, la plupart des parasites nécessitent un temps de gorgement de plusieurs jours avant d'être transmis.
Au total, toutes ces informations concernant l'éthique, concernant le mécanisme de la piqûre, permettent d'établir quelques moyens de prévention. Tout d'abord, au niveau des moyens de prévention un peu collectifs et puis même personnels pour notre jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, on voit que les tiques, elles ont besoin que les jardins soient un peu à l'état sauvage ou qu'il y ait des tas de bois dans lesquels les microbes mammifères vont pouvoir se cacher pour pouvoir se développer. Donc, dans l'environnement, le fait de tondre, le fait de faucher les endroits dans lesquels on va passer, alors il n'y a pas besoin de faucher de façon trop extensive, mais en tout cas, les endroits dans lesquels on va passer, c'est important de faire de faucher. De ranger bien le bois pour qu'il ne soit pas accessible aux micro-mammifères. Et puis, pour les plus grands mammifères, il y a des barrières anticervidées qui peuvent exister, qui permettent d'éviter que des cervidés qui ont des tiques viennent en installer dans des endroits où il n'y en a pas encore. Qu'est-ce qui se passe pour nous quand on va se balader en forêt ? Donc, quand on va se balader en zone à risque, donc forêt et prairie, et qu'on va en dehors des chemins, il faut porter des vêtements longs, couvrant, et on dit souvent des vêtements clairs. Alors la tique, elle ne reconnaît pas du tout les couleurs, mais une tique, c'est noir, et donc si vous avez un vêtement noir, vous ne verrez pas qu'une tique est en train de vous monter sur le bras. On peut porter des bottes, on peut mettre le pantalon dans les chaussettes, et on peut utiliser des produits acaricides. Donc il y a plein de produits acaricides sur le marché, mais à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule molécule pour laquelle il y a une autorisation de mise sur le marché avec une efficacité prouvée. C'est pas parce que les autres ne marchent pas, c'est principalement parce que les autres n'ont pas encore fini de faire leurs études pour montrer qu'ils marchent bien. Mais pour l'instant, c'est uniquement cette molécule qui a fini ses études. Au niveau des animaux de compagnie qui peuvent être porteurs d'éthique et donc les transmettre d'une personne, sur une personne quand on est au contact des animaux de compagnie, eh bien, vous allez évidemment avoir la possibilité d'utiliser des colliers anti-tiques. Souvent, c'est antipuces anti-tiques et c'est les mêmes molécules qui sont dessus. La plupart du temps, on ne se pose pas la question des tiques parce que nous, ce qui nous embête, c'est de ramener des puces sur notre canapé. Mais en fait, si vous lisez le mode d'emploi, il y a toujours une petite tique souvent qui est dessinée à côté de la puce sur les produits qui sont vendus en pharmacie. Ça existe en collier ou en pipette, mais vous imaginez bien que dans des endroits où vous avez des animaux d'élevage, pour éviter que la prairie soit infestée, il peut exister des produits que l'on peut épandre. Et enfin, une fois qu'on a été dans une zone à risque, même si on a mis les vêtements longs et couvrants, et surtout si en vrai, comme on le voit la plupart du temps en forêt, en été, on n'a pas du tout mis les vêtements longs et couvrants, parce que pas grand monde ne le fait, eh bien, la prévention, c'est de s'inspecter au retour, puisqu'on a vu que la plupart des transmissions, en fait, elles mettent du temps à se faire. Donc si en rentrant de la forêt, on vérifie qu'on n'a rien, vraiment partout, ça, c'est très important. Et il faut faire vraiment partout, parce que Ixodes, elle a une affinité pour les peaux fines. Donc elle va aller se mettre derrière les genoux, sous les aisselles. Bon, c'est des zones qu'on peut assez bien voir, mais parfois dans le dos. Et puis, Rhipicéphalus, elle aime les zones qui sont très poilues, Dermacinthor, pardon, pas Rhipicéphalus, elle aime les zones qui sont très poilues, et donc son endroit de prédilection chez nous, ce serait le scalp. Donc là, il faut vraiment bien s'examiner pour se rendre compte si on n'a pas une petite bête qui est accrochée au niveau de la tête. Donc, un examen minutieux. Si on trouve quelque chose, on retire la tique d'abord. Il y a plein de remèdes qui disent qu'il faut d'abord mettre un produit antiseptique et que ça va endormir la tique, mais en fait, ça risque de faire régurgiter la tique, donc il faut éviter de mettre le produit antiseptique en premier. À l'aide d'un tire-tique, comme on voit ici sur cette image, ou à l'aide d'une pince à épiler en forme de crochet, pas les pinces à épiler qui sont plates au bout. Et ensuite, on fait la désinfection. Au total, malgré tous ces moyens de prévention qui existent, on a quelques impacts en santé animale de la présence de tiques. Et donc, en particulier, pour les micro-mammifères, c'est très important, mais ça, chez nous, ça va concerner que des micro-mammifères sauvages. Donc, la population de campagnols dans nos forêts, ce n'est pas vraiment notre première préoccupation. En Afrique, la spoliation sanguine peut être responsable d'une diminution de poids des animaux d'élevage, parce qu'il y a des taux d'infestation parfois qui sont très importants, de même en Amérique latine. Donc finalement, pour l'impact en santé animale, la spoliation sanguine est très importante. La salive peut avoir une toxicité propre pour certains animaux, et en particulier chez les ovins, on a une toxicité de la salive qui fait que même sans transmettre de maladie, on peut avoir une atteinte avec des paralysies chez le mouton. Et donc là, c'est un gros impact en santé animale sur des animaux d'élevage. Et enfin,
les tiques qui ont des capacités vectorielles ont entre autres des capacités vectorielles chez l'animal, avec par exemple certains virus, comme le virus de la fièvre porcine, certaines bactéries, j'ai mis ici plusieurs exemples de bactéries, et on voit qu'en fait il y a des borrelia qui sont responsables de la maladie de Lyme qui peuvent aussi toucher l'animal, qu'il y a des borrelia qui donnent d'autres maladies que des maladies de Lyme, qu'on appelle les fièvres récurrentes à tiques, et d'autres types de bactéries qui vont toucher nos animaux de compagnie, comme on voit ici le chien, le cheval, c'est à mi-chemin entre compagnie et élevage, mais aussi des animaux d'élevage, et là on va avoir un impact dans la santé animale et pour les éleveurs. Et des parasites qui peuvent être transmis, entre autres les babésies et des filaires, et là on voit encore beaucoup d'animaux d'élevage, mais aussi nos animaux de compagnie qui peuvent être touchés. Voilà pour ce qui concerne la santé animale. Je vais donc maintenant passer la parole à ma collègue qui va pouvoir vous développer les impacts des tiques et leur transmission vectorielle en santé humaine. Bonsoir. Donc effectivement, je vais enchaîner sur la santé humaine. Je reprends juste la naissance d'une maladie vectorielle à tiques. On a bien tous compris que c'était l'arrivée d'un hôte, on va parler de l'hôte, l'être humain pour ma partie, dans un environnement qui est favorable, où se trouve d'une part la tique compétente, toutes les tiques ne sont pas compétentes pour transmettre toutes les maladies, et d'autre part où se trouve l'agent pathogène. Ce qui fait qu'il y a des maladies vectorielles à tiques qui vont être présentes dans certains environnements et pas dans d'autres, et c'est pour ça qu'on n'a pas la même épidémiologie des maladies en santé humaine qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit en France. Et même en France, on n'a pas tout à fait la même épidémiologie qu'on soit dans l'ouest de la France ou dans l'est de la France. C'est un problème important. Soria vous a présenté ces données-là. Donc, c'est une enquête de Santé publique France qui a été faite. C'est une enquête téléphonique sur plus de 10 000 personnes. Et il y a 30% des gens qui disaient avoir déjà été piqués par des tiques et 6% dans l'année précédente. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, je vous ai remis ici les lieux de piqûres, donc forêts, parcs et prairies essentiellement. Et en fait, quand on regarde, ils ont été aussi interrogés sur l'adoption des mesures préventives. En fait, il y avait à peu près 20% des gens qui ne s'habillaient jamais correctement avec les vêtements longs couvrants dont vous a parlé. Il y avait plus de 80% des gens qui n'utilisaient jamais de répulsifs alors qu'ils allaient dans des zones censées être à risque. Et il y avait 34% des gens qui, après être allés dans une zone à risque, ne regardaient pas s'ils avaient des tiques ou ne s'inspectaient pas. Donc, l'adoption des mesures préventives, elle est insuffisante. Et en plus, la reconnaissance de la maladie de Lyme, enfin, du premier signe de la borreliose de Lyme, est également insuffisante, puisqu'il y avait 30% des gens qui ne savaient pas reconnaître cette tache. Alors, celle-ci, elle est un peu discrète, je vous en montrerai d'autres après. Mais pourtant, il y a de bonnes études qui ont montré que le fait d'être informé sur les risques liés aux tiques, également sur les signes cliniques des maladies vectorielles à tiques, ça permet de mieux se protéger. Les gens adoptent plus facilement les mesures de prévention quand ils sont au courant. Donc j'espère qu'après cette conférence, vous pourrez transmettre également la bonne parole à votre entourage pour se protéger des tiques. Si on en vient aux maladies vectorielles à tiques, la plus connue, mais également la plus fréquente, dans son écrasante majorité, c'est la borreliose de Lyme, en tout cas en France et dans notre environnement. Cette borreliose de Lyme, elle représente un pourcentage énorme des maladies vectorielles à tiques. Donc j'ai fait un diagramme là qui est un peu, on va dire, subjectif et qui va bien sûr dépendre des zones où on se trouve. Il y a d'autres pathogènes qui peuvent être transmis par les tiques. Donc on a des infections bactériennes, elle vous a parlé des rickettsioses. Il existe plein de types de rickettsioses. On n'a pas les mêmes aux États-Unis par exemple qu'en France, et on n'a pas les mêmes, nous, dans le nord de la France, que ce qu'on peut trouver dans le sud de la France, parce qu'on n'a pas les mêmes tiques. Vous avez vu, il y a certaines tiques qui se plaisent plutôt dans le sud, elles peuvent porter des rickettsies, et nous, on a d'autres tiques qui se plaisent plus dans nos contrées un peu plus froides. L'anaplasmose, des fièvres récurrentes, donc ça c'est des borrelioses qui sont très différentes de la borreliose de Lyme et qui donnent plutôt des tableaux de fièvre, neuralichiose, tularemie, et je les oublie pas, mais je les ai volontairement pas mis parce qu'il y a d'autres maladies à tiques qui ne sont pas obligatoirement transmises par les tiques, comme la tularemie d'ailleurs, n'est pas une maladie dont le seul mode de transmission est par les tiques. On a des parasites, la babésiose peut également infecter l'être humain, et puis des virus, et dans les virus, j'en ai cité que deux, il y en a plein d'autres. Il y a l'encéphalite à tiques, je l'ai cité parce qu'il est présent en France, très peu, plutôt dans l'est de la France, mais on a la tique, et on sait que nos tiques peuvent être porteuses. Et puis il y a la fièvre hémorragique Crimée-Congo, dont on reparlera éventuellement un petit peu plus tard. Si on s'intéresse à l'épidémiologie, donc l'épidémiologie c'est la science
l'incidence et de la prévalence des maladies, donc de la survenue des maladies humaines, à l'épidémiologie de la maladie de Lyme. Donc c'est la première zoonose. Donc zoonose, c'est une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme de façon naturelle. Donc c'est la première zoonose vectorielle dans l'hémisphère nord. Elle est due à une bactérie qu'on appelle Borrelia burgdorferi. Comme tout à l'heure, Soria vous a dit, il y a plein de sortes d'Ixodes, et bien il y a également plein de sortes de Borrelie, et il y a Borrelia burgdorferi. Il existe des sous-espèces, donc il y a Borrelia agarini, Aswellsi et burgdorferi sensu stricto, qui sont responsables de la maladie de Lyme. Donc c'est cette petite bactérie un peu spiralée. Donc là, on a une très belle image, mais en fait, c'est une bactérie qui est difficile à voir côté laboratoire. La borreliose de Lyme, on en décompte à peu près 60 000 par an en France, donc c'est basé sur une analyse de réseau sentinelle, donc c'est des médecins généralistes répartis sur toute la France qui vont déclarer les cas de borreliose de Lyme qu'ils rencontrent, et on a une incidence voilà, qui oscille entre 60 et 90 pour 100 000 habitants, et on voit qu'il y a eu une augmentation de cette incidence voilà, dans les années 2015-2016 et également vers 2017-2018. Cette augmentation de l'incidence, elle n'est pas encore très bien comprise. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus informés de la maladie de Lyme et donc quand ils ont les premiers symptômes, ils vont consulter? Est-ce que c'est parce que les médecins généralistes sont également mieux informés et font plus de diagnostics? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une augmentation réelle d'incidence de la maladie? C'est encore un peu tôt pour le dire. En termes d'hospitalisation, on est sur une morbidité beaucoup moins importante puisqu'il n'y a qu'à peu près 700 cas d'hospitalisation en 2020. C'était un peu plus les années précédentes, mais l'année 2020 a été un peu particulière avec le Covid et donc l'accès à l'hôpital était probablement un peu différent. Quand on regarde la carte de France, donc je vous ai dit, l'épidémiologie, elle est différente d'un endroit à l'autre du monde, mais également d'un endroit à l'autre de la France. Et on voit que l'incidence de la borreliose de Lyme, elle est bien plus marquée dans l'Est et le centre de la France que dans l'Ouest. Alors en Bretagne, ça on paraît un peu épargné, on a quand même des borrelioses de Lyme, mais on est beaucoup moins impacté que l'Est de la France. Dans les autres agents pathogènes qui peuvent donner des maladies vectorielles à tiques, je vous ai mis quelques données accessibles. Quand on regarde le nombre de cas déclarés de ces autres pathologies à tiques, on voit qu'on n'est pas du tout sur le même volume de malades. Pour ce qui est de l'encéphalite à tiques, il y a une vingtaine de cas déclarés par an. Il y en a eu un peu plus dans l'année 2020 pour des raisons un peu différentes. C'était des transmissions à partir de lait de chèvres contaminés. Vous voyez, on n'a quasiment pas de cas d'anaplasmose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu plus de cas que ça. Ça, ce sont les cas déclarés sur des études plutôt bien conduites. Mais en fait, l'anaplasmose, ça donne un tableau de grippe d'été qui peut passer tout seul. Et donc, il y a probablement un certain nombre de personnes qui ont pu se contaminer par anaplasma, déclarer une fièvre, un syndrome fébrile avec des courbatures. Et puis, si c'est passé en 3-4 jours, eh ben, on n'a pas fait le diagnostic, on n'a pas mis le nom sur le fait qu'ils avaient une anaplasmose. Donc, ces chiffres sont bien sûr à prendre avec précaution, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. La borreliose de Lyme, c'est vraiment l'écrasante majorité des maladies vectorielles à tiques. On a quelques données un peu plus précises pour d'autres maladies. On a le CNR des rickettsioses qui nous fait un rapport tous les ans. Donc, voyons, on est sur 20-30 cas des autres maladies liées aux tiques en France. Un autre point que je voulais vous signaler, c'était par rapport à l'encéphalite à tiques. Donc c'est un virus qui est transmis par la même tique que la borreliose de Lyme, Ixodes ricinus. Donc vous avez vu, Ixodes ricinus, il est partout. Il est présent partout en Europe et partout en France. Et pourtant, l'encéphalite à tiques n'est pas présente partout en France. On en a beaucoup en Europe du Nord, en Europe de l'Est. Et puis en France, il n'y a quasiment que la région de l'Est qui déclare des cas d'encéphalite à tiques. Ce n'est pas faute de les rechercher quand on a des patients qui sont hospitalisés dans le service pour des encéphalites. Mais pour le moment, on n'en met pas en évidence. Donc on reste bien sûr alerte. On sait que ça peut arriver. Mais en tout cas, on ne les met pas en évidence alors qu'on les recherche activement. Donc voilà un peu pour le panorama épidémiologique de ces maladies liées aux tiques en France. Je me suis focalisée là-dessus. Et maintenant, je vais vous présenter un peu les tableaux cliniques qui sont possibles après une piqûre de tiques. Il faut savoir qu'il y a des tableaux cliniques qui vont survenir précocement et ça regroupe l'écrasante majorité des maladies vectorielles à tiques qui ont en fait des durées d'incubation assez courtes. Et celle qui va faire un peu exception, c'est justement la borreliose de Lyme qui peut avoir des symptômes qui vont survenir plusieurs semaines, voire parfois même plusieurs mois après la piqûre de tique infectante. Donc, ce qui peut se passer après une piqûre de tique, c'est qu'il peut ne rien se passer, c'est-à-dire on peut aller très bien. On a plusieurs études bien conduites qui ont regardé le risque de développer une borreliose de Lyme après avoir été piqué. Donc, en France, il y a à peu près 3 à 25 % des tiques, enfin des nymphes qui sont infectées par Borrelia.
Et donc, sur ces 3 à 25% de nymphes infectées par Borrelia, si on se fait piquer par une de ces nymphes-là, on a moins de 5% de risque de développer une borréliose de Lyme. Donc, ça veut dire que dans 95% des cas, les gens ne vont développer aucun symptôme. Ça, c'est pour la borréliose. Donc, vous voyez, l'incidence, le taux d'infestation des tiques est quand même assez important. Quand on regarde le taux d'infestation des tiques par anaplasma, on est plutôt aux alentours de 1% des tiques qui vont être infectées par anaplasma. On est aux alentours entre 1 et 4% pour Borrelia miyamotoi, qui est une autre borréliose qui donne de la fièvre de façon récurrente, donc pas du tout la même chose qu'une borréliose de Lyme. On a aussi un pathogène qu'on appelle Neoerlichia, où on a à peu près 4-5% des tiques qui vont être infectées, mais avec également là aussi un gradient ouest-est. Donc vous voyez, même quand les tiques sont largement infestées, en Bretagne on est à peu près à 10-15%. On a un taux d'infection par Borrelia qui finalement est beaucoup moins important que ce qu'on pourrait s'attendre si elle transmettait systématiquement la borréliose. Donc on va faire un petit plan, un petit visuel de ce que peut donner une piqûre de tique. Et une piqûre de tique, c'est sur la peau, et la première manifestation, les plus fréquentes, sont des manifestations cutanées. On peut avoir une simple réaction à la piqûre de tique. En fait, c'est une réaction d'hypersensibilité, c'est une réaction allergique, en fait, aux protéines de la salive de tique. C'est comme on peut voir avec des piqûres d'autres, enfin, des piqûres d'insectes, les tiques n'étant pas des insectes, mais on peut avoir ce même type de réaction. Donc ça donne une petite rougeur, centrée par le point de piqûre, éventuellement ça peut gratter, et puis ça cède en général en 48-72 heures. Parfois même, ça peut un peu s'ulcérer, voire devenir un petit peu nécrotique sur le centre. Et là, il faut peut-être avoir une certaine vigilance, surtout s'il y a d'autres signes associés, de la fièvre, auquel cas il faut aller consulter, parce que c'est peut-être autre chose que juste une réaction à la piqûre de tique. Cette autre chose, c'est par exemple cette petite croûte. En fait, c'est quelqu'un qui s'était fait piquer par une dermacinthore. Ma collègue vous en a parlé. Les dermacinthores, elles aiment bien piquer dans les zones poilues. Et donc, classiquement, ça s'appelle le tibola. C'est la dermacinthore a piqué dans le cuir chevelu. Et puis ensuite, sur le site de la piqûre de tique, il va y avoir un escar. On appelle ça une petite ulcération avec un ganglion cervical associé. Et ça guérit sous antibiotiques en laissant parfois une cicatrice sans cheveux. On peut avoir aussi d'autres escarres d'inoculation. Là, c'est ce qu'on appelle une rickettsiose. Donc, c'est une tique qui a piqué là au niveau de l'abdomen. Et donc, vous voyez ce point central noirâtre. Eh bien, il y a eu une ulcération, un escar, on appelle ça, sur le site de la piqûre. Et en plus, la personne a de la fièvre et a une éruption cutanée diffuse. Ça aussi, c'est une maladie liée aux tiques. Donc là, pour une tique par Rippicéphalus qui a transmis une rickettsia, qu'on appelle la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Après, on a le classique érythème migrant, dont la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler. Donc je vous ai mis des photos parce que finalement, c'est bien de le voir quand même. L'érythème migrant, c'est donc un érythème, c'est donc une plaque rouge qui est centrée par le point de piqûre, qui va survenir 3 à 30 jours après la piqûre de tique, parce qu'il faut le temps que la borrelia soit déposée dans le derme, puis qu'elle puisse se multiplier, qu'il puisse y avoir une réaction inflammatoire. Donc ce n'est pas immédiatement après la piqûre de tique. Et donc ça va augmenter progressivement sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est indolore, ça ne gratte pas, et ça peut augmenter dans des tailles assez impressionnantes. Vous voyez ici, sur la cuisse de cette dame, il y avait un érythème qui faisait plus de 30 cm. Vous voyez qu'il est assez clair, et on peut très bien passer, ça peut très bien passer inaperçu, notamment si vous avez ça dans le dos. Eh bien, vous pouvez ne pas du tout vous en rendre compte, puisque finalement, le seul symptôme, c'est la couleur, et que ce n'est pas du tout douloureux. On a ici un autre érythème migrant, vous voyez, dont la coloration est un peu plus atypique, sous le bras, et puis celui-ci en forme de cœur d'une petite fille qui était dans le nord de la Bretagne. On a parfois des formes un peu atypiques d'érythème migrant. Alors, je suis désolée, les photos ne sont pas toujours très agréables à regarder. Donc ici, l'aspect en cible, assez classique. Et puis ici, on voit ici un aspect ecchymotique, c'est tiré d'une revue américaine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement ces descriptions-là en Europe, mais je pense qu'il faut savoir rester vigilant. Et quand on a une lésion cutanée qui ne guérit pas après une piqûre de tique, eh ben, il faut aller consulter, même si ça ne ressemble pas typiquement à un érythème migrant. Et donc vous voyez ici, on a même des petites vésicules. Ce petit garçon n'a pas été piqué sur les deux yeux par une tique, et pourtant il a un érythème migrant de chaque côté.
En fait, c'est une forme un peu particulière, c'est une forme de dissémination. La piqûre de tique a eu lieu à un endroit et la bactérie a déjà disséminé dans son organisme et ça a pu donner des érythèmes migrants à plusieurs endroits. Je me suis permis de mettre sa photo parce que ça avait été publié dans une revue et donc le petit garçon avait donné son... Enfin, ses parents avaient donné son accord hein, pour être... exposé. Et puis là, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être un peu traîtres. On a un halo rouge avec un centre plus clair. Ça pourrait ressembler à un érythème migrant, mais en fait, là, c'est une mycose cutanée. Ça s'appelle une dermatophytose. Donc, toutes les taches rouges ne sont pas de l'érythème migrant, mais ça nécessite parfois de se poser la question. Alors, en fait, sur le plan sémiologique, c'est-à-dire l'analyse de la tache rouge, elle est très différente, mais il faut un peu d'expérience. Il y a des formes beaucoup plus rares au niveau cutané. Je vous en ai mis une ici. Vous voyez, cette dame, elle a un pied un peu violacé, un peu augmenté de volume, qui lui était particulièrement douloureux. On le voit ici aussi sur les mains, avec cette coloration un peu brune, et puis en fait, une peau qui se rétracte et qui est très fine en papier à cigarette. Et là, c'est ce qu'on appelle la chrodermatite chronique atrophiante. C'est une forme très tardive de la borreliose de Lyme, qui survient plus de 6 mois après la piqûre de tique. C'est une forme difficile à diagnostiquer, d'une part parce qu'elle est rare, d'autre part parce que il y a plein de diagnostics, on va dire, différentiels, ça peut être autre chose, et donc il y a souvent un retard diagnostique assez important au diagnostic de ces formes-là. Et donc vous voyez ici cette dame-là, elle a 2 jambes un peu violacées, un peu douloureuses, mais en fait elle a de l'insuffisance veineuse. Donc voilà, toutes les jambes violacées ne sont pas non plus de la maladie de Lyme. Un autre tableau qu'on peut rencontrer après avoir été piqué par une tique, c'est de la fièvre, tout simplement. Et ça, c'est vraiment pas évocateur d'une borreliose de Lyme. C'est plutôt évocateur d'une pathologie, d'une autre maladie vectorielle à tique, que soit l'anaplasmose, je vous ai dit, ça ressemblait à une grippe d'été. Également l'encéphalite à tique, la première phase, c'est comme un syndrome grippal, puis après ça passe, et puis ensuite on peut développer l'encéphalite. Et puis d'autres maladies, il y a... Par exemple, des fois, on a des patients qui viennent avec de la fièvre pendant 2-3 jours, ça cède spontanément, puis au 9e jour, ça revient, puis ça recède spontanément, et ça, c'est très évocateur d'une borreliose récurrente. Alors, je dis c'est très évocateur sur le papier, mais en fait, des borrélioses à Borrelia miyamotoi, on n'en a pas vu en France, ça a été décrit au Japon, il y en a eu pas mal en Russie, probablement parce que Ixodes persulcatus, qui est la sous-espèce d'Ixodes en Russie, est peut-être plus compétente pour transmettre Borrelia miyamotoi que Ixodes ricinus. Et là, il faut s'aider de la biologie, et même parfois, quand on oriente notre laboratoire, on peut voir des petits parasites. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petites taches rouges au sein des globules rouges, et ça, c'était une babésiose. Donc ça, c'est un parasite intra-érythrocytaire, et ça donne un tableau de paludisme chez des gens qui n'ont jamais voyagé en zone d'endémie palustre. On va continuer avec les signes classiques des maladies vectorielles à tique. Ce sont les signes neurologiques. Il y a les signes neurologiques qui vont être très évocateurs de maladies de Lyme et puis d'autres qui le sont un petit peu moins. Les premiers signes neurologiques que l'on voit dans la maladie de Lyme, donc qui surviennent plutôt 6 semaines à 6 mois après la piqûre de tique, ça représente à peu près 80% des neuroborrélioses, on appelle ça, c'est une atteinte d'une racine nerveuse. Les racines nerveuses, c'est ce qui sort de notre tronc cérébral pour aller... à notre visage, si vous voulez, pour la sensibilité, pour la motricité, pour l'oculomotricité, le fait qu'on puisse bouger les yeux. Et puis, on a des racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière pour nous faire bouger les bras, les jambes, etc. Et toutes les racines nerveuses peuvent être touchées, mais ce qui est assez classique dans la maladie de Lyme, c'est que ça n'en touche qu'une seule. Et un tableau assez fréquent, c'est la paralysie faciale. Donc là, je vous ai mis une petite image. Ce patient, ce dessin, il est paralysé de ce côté-là, donc il n'arrive plus à relever le front d'un côté, il n'arrive plus à fermer l'œil, et puis quand on lui demande de sourire, en fait, il y a un côté qui ne sourit pas, il n'arrive pas à remonter la lèvre. Il ne peut pas siffler non plus, pas gonfler les joues. Donc ça, c'est une paralysie faciale. Il y a plein d'autres choses qui donnent des paralysies faciales, mais c'est vrai que d'avoir une paralysie faciale en été, 4 semaines après s'être fait piquer par une tique, ça donne très envie de se dire que c'est une maladie de Lyme. Mais effectivement, hein, ça peut être d'autres atteintes, et ce qu'on appelle une sciatique, si vous voulez, ça peut donner le même genre de douleur, pas tout à fait le même genre de douleur, mais en tout cas le même territoire de douleur que quelqu'un qui a une sciatique, mais ça va être un peu différent, ça va être plus douloureux, ça va réveiller la nuit, et des choses qu'on ne voit pas chez des gens qui ont la sciatique parce qu'ils ont de l'arthrose dans le bas du dos. Et puis on a des formes plus rares, comme les encéphalites, donc les encéphalites, c'est une infection au niveau du cerveau, ça c'est très rare dans la maladie de Lyme, c'est moins de 1%, et puis des méningites isolées, c'est moins de 5%. Mais par contre, l'encéphalite, ça peut correspondre à une autre maladie vectorielle à tique, qui est l'encéphalite à tique, dont je vous ai dit qu'elle était présente surtout dans l'est de la France et que nous, on les recherche, mais pour le moment, on ne les trouve pas.
Les signes articulaires, classiquement, la maladie de Lyme, ça donne une arthrite. Donc une arthrite, c'est une inflammation d'une articulation. Et l'articulation la plus fréquemment touchée, c'est le genou. Dans les années 75, la première description de la, enfin, articulaire de la borréliose de Lyme, elle a été faite sur une épidémie d'arthrite chez des enfants dans le comté de Lyme, dans le Connecticut, et c'est de là dont vient le nom de la borréliose de Lyme à la base. Donc c'est un gros genou qui gonfle, et on peut même recueillir du liquide, et dans ce liquide, on peut retrouver la borrélia. Et puis on peut aussi avoir des douleurs un peu diffuses. C'est pas très typique, ça va pas nous orienter spécifiquement vers une maladie Lyme, parce qu'il y a plein de maladies qui donnent des douleurs articulaires, des maladies rhumatismales, mais également quand on a un syndrome grippal, on peut avoir des douleurs articulaires. Malgré tout, c'est décrit à toutes les phases de la maladie, des gens qui vont avoir des articulations douloureuses, mais dans ce cas-là, on n'a pas des articulations qui gonflent, c'est plutôt des gens qui disent « j'ai mal partout ». Mais ce n'est pas suffisamment spécifique pour nous dire « ah ça, c'est typique de la maladie Lyme ». Alors qu'un gros genou qui gonfle 6 semaines après avoir été piqué par une tique, ça, c'est très évocateur. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a vu sur les symptomatologies, on voit qu'en fait, la borréliose de Lyme, elle n'a pas du tout le même profil clinique que les autres maladies vectorielles à tique. La peau, le neurone et les articulations, c'est plutôt évocateur d'une maladie de Lyme. Et puis la fièvre, et puis des douleurs un peu diffuses, ça c'est plutôt les autres maladies vectorielles à tique. Pour faire le diagnostic, on a ce qu'on a dit, le fait d'être exposé au tique, même si on n'a pas retrouvé la piqûre de tique. D'ailleurs, dans 50% des cas, les gens ne se rappellent pas avoir été piqués par une tique, et malgré tout, ils peuvent avoir une maladie liée au tique. Mais le fait d'être dans un environnement favorable, le fait d'avoir une symptomatologie compatible, et puis on va s'aider de tests, soit des tests anticorps, donc les anticorps, ce sont des sérologies. On va regarder si notre organisme a produit des anticorps contre une bactérie ou un virus en particulier. Et puis, il y a des tests PCR que vous connaissez tous maintenant avec le Covid. Donc là, on va rechercher l'ADN d'une bactérie ou d'un virus. Pour la maladie de Lyme, c'est surtout la sérologie qui nous aide, parce qu'en fait, la PCR, elle est très spécifique, c'est-à-dire que quand on a une PCR positive, c'est bien sûr la maladie de Lyme. Par contre, elle est très peu sensible et elle n'est pas du tout sensible dans le sang. On n'a jamais de PCR positive pour une borréliose de Lyme dans le sang, parce qu'il n'y a pas une grosse charge bactérienne. Éventuellement, on peut le faire sur le liquide articulaire qu'on a ponctionné d'un genou, sur une biopsie de peau, si on a une lésion cutanée, là, ça risque d'être positif. La sérologie a ce désavantage que ça reflète un contact avec un pathogène, mais ça ne reflète pas une maladie active. Ce n'est pas comme quand on trouve l'ADN d'une bactérie ou d'un virus. C'est également un problème, il suffit de le savoir, mais il y a une fenêtre sérologique, c'est-à-dire il faut le temps au corps de produire ses anticorps. Et en fait, si on fait une sérologie pour la borréliose de Lyme 3 semaines après avoir été piqué par une tique ou avoir un érythème migrant, et ben dans plus d'un cas sur deux, elle va être négative, tout simplement parce que le corps n'a pas encore eu le temps de produire ces anticorps-là. Ce n'est pas disponible pour toutes les maladies vectorielles à tique, les sérologies. Et puis, quand on a fait des anticorps, souvent, on ne s'en débarrasse pas. Et donc, on garde ces anticorps toute sa vie. Et ça permet. Du coup, ce n'est pas un marqueur de guérison. Les anticorps, ils sont là, on les garde. Et ça va être indépendant de la guérison clinique. Pour ce qui est des traitements, il y a toujours deux facettes. Le traitement anti-infectieux, on n'en a pas pour toutes les maladies vectorielles à tique, notamment, on n'en a pas pour l'encéphalite à tique, qui est une maladie virale. On en a pour les maladies bactériennes, avec un pilier qui va être celle de la doxycycline et avec un traitement qui varie entre 14 et 28 jours pour la borréliose de Lyme. Et puis, il y a toujours une autre facette du traitement qui est de, bien sûr, traiter la douleur, traiter la fièvre s'il y en a, prendre en charge les séquelles parce que ça arrive. Parfois même, on met des corticoïdes, notamment pour les arthrites de genoux. Les arthrites de Lyme, c'est tout à fait possible. Une question qu'on nous pose régulièrement, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs infections en même temps. Alors, on sait que chez les tiques, c'est possible. Il y a plusieurs papiers, plusieurs revues qui disent qui ont démontré qu'il peut y avoir plusieurs pathogènes possibles au sein d'une même tique. C'est également possible chez les petits mammifères, notamment. Ils peuvent héberger plusieurs pathogènes en eux. Qu'est-ce qu'il en est chez l'homme? Déjà, il faut différencier, avoir plusieurs sérologies positives, et ça, c'est un marqueur de co-exposition ou d'exposition successive. On est asymptomatique, on n'a pas de problème, mais notamment chez les forestiers, on peut retrouver ça. Ils ont plusieurs sérologies à des différents pathogènes positifs.
Donc il faut différencier ça de la co-infection clinique. Donc il y a l'équipe de Strasbourg qui a regardé, ils ont fait une revue de la littérature, ils ont retrouvé 68 articles qui traitent de ce sujet-là. Donc c'est des gens qui ont des symptômes après une piqûre de tique. Et puis donc la moitié de ces articles sont américains, l'autre moitié sont européens. Et puis ils ont regardé si dans ces gens-là, il y en avait qui avaient deux infections en même temps, voire trois infections, etc. En médiane, il y a 4% des gens qui peuvent avoir deux infections. Alors, quand on parle de deux infections, c'est ils ont une infection clinique, notamment la boréliose, et puis ils ont une sérologie positive pour un autre pathogène dans leur sang. La plupart du temps, donc 80% des cas, ça n'a pas d'impact clinique qui a été relevé dans ces articles-là. Donc c'est toujours intéressant, ça veut dire qu'il faut rester l'esprit ouvert et quand on a un érythème migrant et quelqu'un qui a 39, ben, faut probablement aller chercher autre chose en plus. Ce qui est rassurant, c'est que la doxycycline, ça marche quand même sur les bactéries qui sont transmises par les tiques. Donc il faut rester l'esprit ouvert, mais ça reste un phénomène assez rare d'avoir une co-infection clinique. Donc si on essaye de conclure les deux parties de la soirée, pour ce qui est de la biologie des tiques, l'écologie des tiques, vous avez vu, c'est assez complexe, on ne peut pas faire une généralité, ça dépend de l'environnement, ça dépend des hôtes présents. Et donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits par la communauté scientifique, l'idée étant que ça nous aide à mieux proposer, enfin à proposer des axes de prévention qui sont plus, qui sont bien ciblés. Quelle est la place des citoyens? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a le programme de recherche participative CITIC, c'est-à-dire que quand on se retire une tique ou quand on retire une tique à son animal, on peut la prélever, l'envoyer au laboratoire donc CITIC, qui est un laboratoire attaché à l'INRAE, et qui vont les analyser. Alors il n'y a pas de redescente hein, de l'information, on ne vous dit pas c'était une tique, il y avait tel pathogène, etc. Et nous, ça nous fait beaucoup d'informations sur la répartition des piqûres de tiques et l'environnement des tiques et les pathogènes qui peuvent y être hébergés. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense qu'il faut essayer d'adopter les meilleures mesures préventives en faisant de la diffusion d'informations. Et j'en ai pas parlé, et je pense que c'est l'occasion, il existe un vaccin actuellement contre l'encéphalite atique qui est recommandé chez les gens qui vont justement dans des zones à risque, notamment dans l'Europe de l'Est, éventuellement l'Europe du Nord, et qui vont randonner. Et puis les perspectives. Les perspectives, elles sont assez séduisantes. On imagine des vaccins anti-tiques. Alors, ce serait probablement plutôt des vaccins pour les animaux. Ce sont des vaccins qui seront dirigés contre les protéines de la salive de tiques. Ce qui fait que si on vaccinait les animaux, notamment les animaux, le bétail, le vaccin, les anticorps que ça aurait créé empêcheraient la tique de continuer son gorgement. Et donc, si elle ne peut pas se gorger complètement, elle ne pourra pas passer à la stase suivante. Et donc, ça pourrait permettre de limiter la pullulation des tiques. Il y a également un vaccin contre la boréliose de Lyme qui est en cours de fabrication. Et on en est à la phase 2 et la phase 3. Donc la phase 3, c'est une étude randomisée où il y aura un groupe contrôle versus un groupe de patients vaccinés qui devrait débuter à la fin de l'année 2022. Et puis, il y a probablement une question de gestion de nos environnements qui va se poser dans une logique de biodiversité et en mettant en place, en gardant... il faut protéger l'être humain. Il faut aussi protéger les animaux, la biodiversité, et donc on ne peut pas se débarrasser d'éthique aussi facilement que ça, donc il faut le faire dans bonne intelligence avec le monde de la santé et le monde de la santé vétérinaire. Pour ce qui est du diagnostic et la prise en charge des maladies vectorielles à tiques, vous avez vu, c'est des tableaux qui sont multiples. C'est assez différent entre la boréliose de Lyme et les autres maladies vectorielles à tiques, et ça repose sur un trépied. Le fait d'avoir une exposition, ou au mieux une piqûre de tique, des signes qui sont compatibles. Et si on peut avoir un diagnostic microbiologique, c'est bien, donc il faut se donner les moyens de le faire. Comment favoriser ces diagnostics et cette prise en charge? Donc, bien sûr, informer les gens, informer les professionnels de santé. Et puis, il y a eu la création des centres de référence des maladies vectorielles à tiques qui s'est mis en place, avec des centres de compétences partout où il y a un infectiologue, quoi, globalement, et des centres de référence qui sont au nombre de 5 en France. Et puis, la HAS, la Haute Autorité de Santé, vient de republier, le mois dernier, une amélioration du parcours de soins pour que ce soit plus facile d'avoir accès, si son médecin généraliste ne sait pas, au centre de compétences, voire au centre de référence. Et puis les perspectives, donc il y aura aussi une mise à jour des recommandations également sous l'égide de l'HAS.
Il y a des programmes informatiques comme DAPEM qui serait de l'aide au diagnostic. On aurait un petit logiciel dans son téléphone portable où on prend en photo ce qu'on pense être un érythème migrant et puis grâce à l'intelligence artificielle, ça aidera à faire le diagnostic. Il y a des avancées sur les tests diagnostiques, on pourra en reparler si vous voulez. Et puis dans le cadre du plan national Lyme, du coup, il y a une coordination des acteurs de la santé humaine, de la santé vétérinaire, de la recherche pour essayer d'améliorer les connaissances sur tout ça. Donc voilà, je vais en finir de notre présentation. Je vous ai juste rappelé les mesures préventives parce que la saison des tiques commence et qu'on n'est pas prêt ni de s'en débarrasser, ni de se débarrasser des maladies vectorielles à tiques. Donc le meilleur moyen, ça reste quand même de s'en protéger. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux pour ces explications. Alors moi j'ai juste une petite question toute simple. Quand on dit j'écris tellement mal que j'arrive plus à me relire, sclérisation, c'est le durcissement? C'est ça. Durcissement de la, c'est un peu la carapace de la tique. D'accord. Donc on le voit très bien quand on se représente un crabe. On l'imagine très bien quand on écrase une araignée, mais on se rend pas compte que en fait finalement c'est exactement la même chose quand on écrase des tout petites choses comme des fourmis ou des puces. D'accord. Et puis spoliation. La spoliation sanguine, c'est le fait que la quantité une tique femelle peut se gorger jusqu'à 100 fois son poids de sang. Alors certes, elle ne pèse pas grand-chose, mais en fait, s'il y a 100 tiques sur une petite chèvre, ça commence à faire un peu beaucoup, et finalement, la petite chèvre, elle n'arrive pas à devenir très grande, elle produit moins de lait, et donc ça a des conséquences pour l'éleveur. D'accord. Et puis, une question pour vous aussi, quand vous parlez de quand elle ne peut pas finir son gorgement, comme vous dites, c'est ça? Ça veut dire qu'elle meurt, la tique? En fait, pour passer d'une stase à l'autre, donc du stade de larve à nymphe et de nymphe à adulte, la tique, elle a besoin de boire une quantité de sang suffisante, et c'est ce qu'on appelle le gorgement de la tique. D'accord. Donc ça se voit, une tique qui est gorgée, elle est gonflée, par rapport à une tique effectivement non gorgée, qui est toute plate. D'accord. Bon, on en sait plus sur les tiques. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie d'en savoir davantage? Est-ce que vous avez une question à poser? N'hésitez pas. Oui, alors on vous apporte le micro. Voilà. Merci Nolwenn. Bonsoir. Juste une question. À quoi sert la tique dans la nature? On se posait la question. C'est justement une question qu'on s'est posée pendant le repas de ce soir et nous n'avons pas de réponse positive. La tique doit avoir un intérêt dans l'écosystème. Donc, parmi les choses qui sont connues, par exemple pour les moustiques mâles sont très importants pour la pollinisation de certaines fleurs. Là, de la même façon, les tiques adultes mâles ne se nourrissent pas de repas sanguin. Donc, peut-être qu'il y aurait une dissémination de certains pollens, mais moi, en tout cas, je n'ai pas d'explication positive et d'intérêt positif dans ce que je connais de la tique. Rien à ajouter? Non, pas plus. Merci. Oui, vous aviez une deuxième question? Une deuxième question, oui. Je voulais savoir, qu'en est-il des nids? Parce que c'est vrai qu'on peut trouver facilement des nids, c'est une grosse masse noire. Quand est-ce qu'elles pondent? Puisqu'il y a différents stades. Et où est-ce qu'elles pondent? Et bien là, du coup, elles vont pondre dans l'endroit qui leur est le plus favorable. Donc, ça va être un peu différent finalement d'une espèce à l'autre. Et donc, pour Ixodes ricinus, elle va aimer les endroits où il y a beaucoup d'humus parce que ça va garder bien l'humidité. Donc, des feuilles mortes, un bon tapis de feuilles mortes. Et du coup, la ponte va se faire dans un endroit comme ça qui est favorable, qu'on peut appeler d'une certaine façon un terrier, alors à l'échelle de la taille de la tique qui est toute petite. Et donc, c'est dans ce terrier que va se produire la ponte. Et puis après l'éclosion, les larves elles vont être capables de marcher à quelques centimètres quand même, voire jusqu'à parfois pour certaines espèces un mètre de leur terrier. Et c'est à cet endroit-là qu'elles vont se mettre à l'affût, pour ce qui concerne Ixodes ricinus en tout cas, donc sur des brins d'herbe ou des choses comme ça, pour chercher un hôte. Mais ça se voit tant que ça, ces petits terriers ou ces petits nids, comme disait madame?
Alors, c'est pas, ça peut être gros. C'est comme pas ça vraiment gros à l'œil nu comme un nid de termites. Les termites, par exemple, font des nids qui sont réellement visibles. Mais par contre, effectivement, ça grouille un petit peu de petites larves quand l'éclosion a lieu. D'accord. Bien. Alors, qui est-ce qui a le micro ? André, bien sûr. On vient vers vous après. Hein, vous donnez le micro. La pulvérisation antitique dans la nature, est-ce qu'elle est protectrice de l'environnement en même temps qu'elle détruit l'éthique? André est en face de vous, là. Alors, non, on ne va pas avoir une protection de l'environnement en même temps. Et c'est pour ça que dans les mesures de précaution, comme on utilise souvent les produits acaricides, sont des produits biocides. Et donc qui vont avoir un impact sur la santé. Et c'est pour ça que, comme le disait Solène, pour garder en biodiversité, etc., ça va être plutôt un équilibre avec des solutions plutôt par le fauchage et de remise en état des choses plutôt que de dépendre des biocides. Alors, qui est-ce qui a le micro ? Alors, monsieur, là, jusqu'en haut, là-bas. Allez-y, c'est vous. Ou madame, oui. Je ne sais pas, moi, je vois pas. Oui. Ah, c'est madame, excusez-moi. Je suis très contente d'entendre qu'il y a des avancées pour les tests. J'aimerais que vous nous en parliez un peu, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de malades qui sont en errance pendant des années et qui ne sont pas diagnostiqués Lyme, alors qu'il y a un tableau qui dit qu'ils ont tous les signes pour être diagnostiqués Lyme et que de nombreuses personnes sont obligées... Enfin, avec les tests moi je parle parce que nous avons été confrontés à cette maladie, d'envoyer des analyses en Allemagne, puisque nous, on n'est pas suffisamment. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ces tests. C'est Solène. Alors, il y a plusieurs. Les tests dont je vous parlais. Non, je vais reprendre. En termes de sérologie, on sait les limites de la sérologie actuelle. Ce que je vous disais, dans les 6 premières semaines, la sérologie est de sensibilité insuffisante. La sensibilité du test, c'est la capacité d'un test à trouver positif les gens qui sont vraiment malades. Et la spécificité d'un test, c'est la capacité à ne pas dire que quelqu'un est positif alors qu'il n'est pas malade de cette maladie-là. Et donc, la sérologie de Lyme que l'on pratique en France, mais également en Allemagne, on a fait une comparaison des différents tests, est peu sensible dans les premières périodes de la maladie. Jusqu'à 6 semaines, c'est certain, et jusqu'à 4 à 6 mois, on peut avoir des défauts de sensibilité de ces tests-là. Un certain nombre de tests qui sont pratiqués dans certaines cliniques, notamment en Allemagne, ont privilégié la sensibilité, donc ils rattrapent plein de gens, y compris des gens qui ne sont pas nécessairement positifs, au dépend de la spécificité. Par rapport aux nouveaux tests qui sont soit déjà bien avancés, soit qui sont en cours de recherche, on a des tests notamment pour les neuroborrélioses. On est capable de doser une chimiokine dans le LCR qui s'appelle CXCL13 et cette cytokine est très intéressante dans les neuroborrélioses précoces et donc dans les 6 premières semaines. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la sérologie n'est pas tout le temps positive et le CXCL13 pourrait nous aider à justement rattraper ces patients quand on n'est pas certain sur l'histoire clinique que ça puisse correspondre à une neuroborréliose. Il y a également des pistes de recherche qui sont faites en protéomique. Donc là, on va regarder l'ensemble des protéines excrétées par la borrélia sur de la biopsie cutanée pour nous aider et peut-être même dans les formes tardives. Mais ça, c'est vraiment à l'état encore de recherche actuellement. Pardon, qui a le micro ? Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce que les tiques, ils ont des prédateurs ? Bonne question. Alors oui, effectivement, les tiques, comme à peu près tous les petits arthropodes de ce genre-là, ont des prédateurs. Alors je n'ai pas de liste précise, mais tous les petits animaux qui mangent des insectes ne font pas trop la différence et vont manger facilement les tiques aussi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a le micro. Oui, voilà. Ça arrive. Oui, bonsoir, merci. Quand on a été testé positif en sérologie sur quelques protéines, c'est ça, oui, il y a quelques années, est-ce qu'on est plus vulnérable ensuite ou est-ce qu'on est immunisé ? Alors, la maladie de Lyme n'est pas une maladie immunisante, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sérologie positive et que les anticorps que l'on a produits ne nous empêchent pas de contracter à nouveau une borréliose de Lyme. Et vous
Vous parliez du fait qu'on peut les avoir pendant plusieurs années. Effectivement, la sérologie reste positive, même après traitement, de nombreuses années et probablement même de nombreuses dizaines d'années. Mais la sérologie est positive, mais est-ce qu'il y a des effets Non, en fait, la sérologie. La sérologie est. Alors, c'est deux questions différentes. La sérologie peut être positive et elle le restera pendant plusieurs années, même après traitement. Et elle peut même être positive chez des gens qui sont parfaitement asymptomatiques. Est-ce qu'il y a des peaux à tiques ? Comme on dit des peaux à moustiques, il y a des gens qui, me disaient « Ah, moi, ça m'intéresse cette conférence parce que j'ai une peau à tiques. » Alors, on en parlait aussi tout à l'heure. Il y a un retour des gens, des patients qui nous disent « Moi, je suis tout le temps piquée par les tiques alors que mon conjoint ne l'est pas. » Donc, c'est une réalité... on va dire, transmise par les gens, mais il n'y a pas de données pour expliquer pourquoi certaines peaux seraient plus à risque que d'autres. Ça a été un sujet qui a été soulevé par l'équipe de recherche participative CITIC, notamment, et donc ils vont peut-être se pencher sur la question. Je ne sais pas si on aura une réponse. Ça marche bien, justement, CITIC, au niveau de... Enfin, je veux dire, il y a des réponses vraiment de... Ah oui, c'est un programme très intéressant. On recueille les tiques, on les envoie, et puis eux, ils font des analyses, déjà en termes d'espèces de tiques, quelle espèce pique le plus les gens, également des données en termes de zones à risque. Oui. Eux, dans leurs données de surveillance, on est à 30% de gens qui ont été piqués dans les parcs et les jardins. Et donc, ça a conduit à une étude supplémentaire qui s'appelle « Tiques au jardin », qui est en cours actuellement, alors qu'il n'est en cours que dans l'est de la France, où ils vont aller regarder, justement, ils vont demander aux gens de faire de la chasse aux tiques avec un drapeau pour recueillir les tiques dans leur jardin et qu'on ait une idée un peu de ce qui se passe dans les jardins des particuliers. C'est bien quand les citoyens aient de la science. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, là-haut, deux personnes demandent la parole. On vous apporte le micro. Merci, Mathéo. Oui, ici. Et après, on ira plus haut. Oui, dans votre présentation, vous expliquez, si j'ai bien compris, que donc la maladie se déclare 6 mois maximum après la piqûre. Est-ce que c'est possible que ce soit déclaré plusieurs années après ? Oui, alors il y a certains symptômes, c'est au moins 6 mois après la piqûre, notamment la acrodermatite chronique atrophiante. On sait qu'il faut un délai qui est d'au moins 6 mois. Après, l'âge moyen des gens qui ont une acrodermatite, et je crois qu'il est de l'ordre de 65 ans, et c'est probablement des gens qui se sont fait piquer bien avant et pour lesquels il n'y avait pas eu de symptômes cutanés à ce moment-là. Après, c'est toujours difficile dans des maladies d'exposition de savoir quand est-ce qu'est la piqûre contaminante, parce que souvent les gens, ils sont exposés dans leur mode de vie, donc il y a peut-être eu une piqûre en 2012, mais en fait ils ont eu le même mode de vie en 2013, 2014, etc., et ils ont pu être piqués sans même s'en rendre compte. Donc quelle est la piqûre contaminante, c'est toujours difficile à dire. Alors parfois c'est facile. En fait j'ai 3 enfants qui sont touchés, donc une à Lyme, 2 autres ont babésia, et en fait, elles sont toutes scouts. Donc, elles ont été scouts à un moment déterminé. Et elles ont déclaré toutes les 3 la maladie plusieurs années après les dernières piqûres. Donc, c'est étonnant. Voilà. Et elles ont toutes les 3 déclaré la maladie à peu près au même âge. Un an après avoir commencé leurs études dans le paramédical. Oui, alors, on ne va pas pouvoir discuter de données comme ça individuelles. Je pense que ce n'est pas le lieu de la conférence, mais si vous voulez venir en consultation pour qu'on puisse refaire un point, il n'y a aucun souci. Qui est-ce qui a le micro ? Allez-y, je vous en prie. J'avais 2 questions. Est-ce que les tiques peuvent porter la maladie à toutes les stases, c'est ça ? Oui. Ça dépend des maladies, mais pour ce qui concerne la maladie de Lyme, oui, en effet. En fait, je me permets d'ajouter, en fait, c'est justement le principe de la compétence vectorielle, c'est-à-dire que pour être compétent, une tique doit pouvoir acquérir le pathogène lors d'un repas sanguin, doit pouvoir le transmettre d'une stase à l'autre, et voire même doit pouvoir, alors ça c'est pas pour toutes les pathogènes, mais peut éventuellement même le passer en transovarien, c'est-à-dire de la femelle adulte à la larve.
Et certaines tiques, on peut retrouver parfois des pathogènes dans des acariens hématophages ou dans des insectes hématophages, juste parce qu'ils l'ont avalé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir le faire perdurer en eux. Et le principe de la compétence vectorielle, c'est qu'ils peuvent le maintenir en eux de façon active et ensuite le retransmettre. Merci. Et juste la dernière question. Pour envoyer à CITIC, là, sous quel état on envoie la tique? Parce que personnellement, quand j'en enlève une, j'ai tendance à l'écraser ou à faire. Alors, on a amené des petites cartes, si vous voulez. Il y a les références du site internet. Il me semble que pour l'envoyer à CITIC, il faut le mettre juste dans un sopalin. Scotcher et puis l'envoyer comme ça dans une enveloppe. Il y a tous les détails sur leur site, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, vous avez le droit de lui dire bon voyage après. Hein. Qui est-ce qui... Voilà, guérit-on de la maladie de Lyme? Quelle est? Est-ce qu'on guérit de la maladie est-ce de Lyme? Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie... Pardon, excusez-moi. On sait qu'il y a un certain nombre de patients qui vont présenter des symptômes prolongés. Et donc, il faut bien savoir ce qu'on veut dire en termes de guérison. Et c'est parfois là où il y a aussi de la mésentente, ou, enfin un mauvais dialogue entre les médecins et les patients. Le traitement antibiotique permet de tuer la bactérie, mais ça ne veut pas dire que les patients ils sont guéris d'un point de vue de leurs symptômes. Il peut y avoir des séquelles de la maladie de Lyme, notamment lorsqu'on a traité trop tardivement. Et puis, on sait qu'il y a un certain nombre de patients qui vont présenter des symptômes dits prolongés, post-infectieux, comme on peut voir un peu dans le post-Covid. Ils sont guéris du Covid, mais ils gardent des symptômes prolongés qui sont invalidants et handicapants. Et dans la maladie de Lyme, on a ce même profil de patients qui ont parfois des douleurs, qui ont parfois des troubles cognitifs, de la fatigue importante qui va perdurer au-delà même du traitement antibiotique. On sait que ça ne sert à rien d'en remettre. Ça a été également étudié avec attention. Et ces patients-là, ils vont finir par s'améliorer, ça peut être prolongé, mais dans les études, ils finissent quand même par s'améliorer, les patients, mais il faut parfois attendre plusieurs mois. Plusieurs années. Plusieurs années. Pour certains, effectivement, les symptômes se prolongent au-delà. Monsieur ? Oui, mais j'avais une question. Donc, puisque les principales maladies qui sont transmises par les tiques, ce sont des maladies avec des virus ou des bactéries, très simplement, est-ce que d'un humain à l'autre, ça peut se transmettre ces maladies-là peuvent se transmettre par exemple, je sais pas, je suis contaminé par X ou Y moyen, je peux vous la transmettre à vous ou à quelqu'un d'autre, que ce soit respiratoire, par voie sanguine, sexuelle, ou enfin, j'en sais rien. Alors, la réponse est plutôt non. Il y a eu des interrogations à un moment donné, mais la réponse est plutôt non. Personne n'a plus de micro? Non. Professeur Tadevin, vous n'avez rien à ajouter à ça, puisque vous nous faites l'honneur d'assister à cette conférence pour soutenir... Oui, oui, monsieur, je vais vous donner la parole. Pour soutenir les personnes qui travaillent dans votre service. Alors, on vous donne le micro, et puis après, je donnerai à monsieur... Je crois que c'est monsieur Le Borne. C'est ça. Non, non, je pense qu'elles ont été très claires et je me disais à quel point c'est agréable de laisser la parole aux plus jeunes, très compétentes, qui travaillent très bien toutes les deux dans leurs deux domaines d'expertise. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la conférence de toutes les deux. Merci pour elle. Il y avait encore une question. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, j'ai deux questions, je vous remercie. Vous parliez du réseau Sentinelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, le réseau Sentinelle, c'est un réseau de médecins généralistes distribués dans l'ensemble de la France qui remonte à Santé publique France un certain nombre de déclarations de pathologies, dont la borreliose de Lyme, mais il recense d'autres pathologies, notamment infectieuses, et ça permet d'avoir un maillage territorial, et ensuite par des études, enfin par des calculs statistiques, ils extrapolent l'incidence des maladies. Donc, j'ai envie de dire, tout médecin traitant n'est pas obligé de déclarer un malade de Lyme. Ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, la borreliose de Lyme. C'est vraiment juste par le réseau Sentinelle qu'on a cette appréciation en population, ambulatoire, donc, en médecine ambulatoire. Normalement,
enfin, le chiffre de 60 000, normalement, enfin, il est bien inférieur à la réalité si tous les médecins n'ont pas l'obligation de déclarer les malades de Lyme. Oui, après, il y a des études statistiques qui appartiennent à Santé publique France et je n'ai pas les compétences pour vous les décrire, en fait, mais ils savent extrapoler à partir d'un échantillon à la population. Après, bien sûr, c'est une fourchette estimative et donc, du coup, c'est pas précis à ce point-là. C'est différent des maladies à déclaration obligatoire. Et là, il y a deux maladies à tiques qui, maintenant, sont à déclaration obligatoire. Il y a la tularémie, mais c'est la transmission par les tiques n'est pas la transmission majoritaire. Et il y a l'encéphalite à tiques qui est à déclaration obligatoire depuis juin 2021. Et donc, on aura les premières données l'année prochaine. C'est très récent, effectivement. Vous aviez une autre question ? Oui. Vous parliez que les signes neurologiques apparaissaient 6 semaines à 6 mois après la piqûre. Dans ces signes neurologiques, est-ce que vous mettez, par exemple, les pertes de mémoire ou les difficultés de concentration ? Alors non, effectivement, je parlais de la méningoradiculite, donc cette atteinte de la racine nerveuse, la plupart du temps, arrive 6 semaines à 6 mois après la piqûre de tique. Pour les signes dont vous parlez, ça a été décrit à tous les stades de la maladie, ce brouillard mental, et y compris dans des séries de patients qui avaient des érythèmes migrants, on peut voir ces troubles-là. Donc ils peuvent intervenir assez rapidement après la piqûre, en fait. Dans les séries d'érythèmes migrants, il y a des gens qui ont effectivement un brouillard mental alors que ça survient dans les 3 à 30 jours après la piqûre de tique. D'accord. Donc en fait, le message, c'est qu'après une piqûre de tique, si on a des symptômes qui ne sont pas habituels, il faut consulter même si on n'a pas la tache rouge de façon classique. Donc pour information, moi j'ai consulté en août 2020 le CHU de Rennes, service infectiologie, et donc j'ai signalé que j'avais des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Et on m'a répondu que ce n'était sans doute pas la maladie de Lyme, car ça intervenait plusieurs années après être piqué. Alors là, encore une fois, je n'ai pas votre dossier et on va pas faire la consultation sur place. On est obligé de rester dans des considérations. Après, je vous dis, c'est possible. C'est pas très spécifique, ce genre de symptômes. Et s'il y avait peut-être pas d'autres symptômes associés. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été retenu, mais encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail de cette consultation. Alors, Monsieur Le Borgne, je vais vous donner la parole. Donc, vous êtes le représentant, c'est ça, d'une association qui s'appelle MER. Le secrétaire de l'association MER de vie. Mmh. Et depuis maintenant 2 ans, et je rebondis sur ce qu'a dit il y a quelques minutes le professeur Tadevin. Moi, je voulais, j'allais dire à la fin de cette conférence, saluer la très bonne façon dont on a été reçus, nous, association de malades, par Solène Patras-Delon et le professeur Tadevin en conférence du CRMVT Grand Ouest, que c'est pour nous très porteur la façon dont les choses évoluent en ce qui concerne la prise en charge de la maladie de Lyme depuis la création du CRMVT. Et on va continuer dans ce sens-là et on est largement à votre disposition pour essayer de faire avancer le problème, en particulier en direction des médecins généralistes, dont encore beaucoup ont... Ne sont pas assez sensibilisés à ce problème. Tout à fait. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Et avec plaisir pour continuer notre collaboration. Pour ce qui est des médecins généralistes, on a effectivement cette remontée de patients qui parfois nous disent « mon médecin, il ne connaît pas bien ». Et donc, on a des actions vers eux. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, j'ai plus en tête, on a d'ailleurs fait une soirée médecins généralistes qu'on fait au moins 2 fois par an. On travaille sur des thèmes spécifiques liés aux maladies vectorielles à tiques pour justement renforcer les connaissances de la médecine primaire. Il y a combien de centres de référence en Bretagne Alors, en Bretagne, il n'y a qu'un centre de référence et après, il y a des centres de compétences, on en a 13. Et il y a 5 centres de référence en France. Donc, il y en a un pour la région Nord-Île-de-France qui est basé à Villeneuve-Saint-Georges, un dans la région... c'est un pôle bicéphale dans la région Est avec Nancy et Strasbourg, un également bicéphale dans le centre avec Clermont et... J'ai un trou... Et Saint-Étienne, et merci, et à Marseille. Très bien. Eh bien, continuez votre travail. Merci aussi d'être venu vers nous ce soir pour nous parler de cette maladie de Lyme et de ces sympathiques tiques.
si j'ose dire. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci à vous d'être venus assister à cette soirée. Hein. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de l'organiser. Le prochain rendez-vous de l'espace des sciences, ben, c'est mardi prochain. Alors là, on parlera d'astrophysique. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est un joli titre. Et il y aura une petite surprise, je dois vous le dire. Je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent Alan Stivell. Alan Stivell n'est pas seulement un musicien et un chanteur, mais c'est aussi un passionné d'astrophysique. Et il connaît très bien l'astrophysicien qui sera là. Et on vous réserve une petite surprise à la fin de la conférence. Voilà, je voulais vous annoncer ça. À la semaine prochaine.